جب تک عمل نہیں ہے دل پاک کو صاف سے، جب تک عمل نہیں ہے دل پاک کو صاف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے، مذہب بھی ایک کھیل ہے جب تک یقین نہیں، مذہب بھی ایک کھیل ہے جب تک یقین نہیں، جو نور سے تہی ہے خدا سے وہ دین نہیں، جو نور سے تہی ہے خدا سے وہ دین نہیں، دین خدا وہی ہے جو دریائے نور ہے، دین خدا وہی ہے جو دریائے نور ہے، جو اس سے دور ہے وہ خدا سے بھی دور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، مرزا غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ دین خدا وہی ہے جو دریائے نور ہے، جو اس سے دور ہے وہ خدا سے بھی دور ہے، دین خدا وہی ہے جو ہے وہ خدا نما، دین خدا وہی ہے جو ہے وہ خدا نما، کس کام کا وہ دین جو نہ ہووے گرا کشا، کس کام کا وہ دین جو نہ ہووے گرا کشا، جن کا یہ دین نہیں ہے نہیں ان میں کچھ بھی دم، جن کا یہ دین نہیں ہے نہیں، اور بلا
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Après les récitations de ces versets, la traduction en français, ça sera pour Monsieur Abdullah de Strasbourg. جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ مقرن عبداللہ صاحب جو سٹاسر سے تشریف لائے ہیں پیش کریں گے فرنچ میں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne laissez pas la mort vous frapper si ce n'est quand vous êtes en état de soumission. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce qu'Allah vous a accordée quand vous étiez ennemis. Et il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce, vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements, afin que vous soyez guidés. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoigne la justice et interdisent le mal. Et ce sont eux qui prospéreront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes de la vérité. Et c'est pour eux qu'un châtiment rigoureux a été prévu. Au jour où certains visages seront blancs et où d'autres seront noirs, on dira à ceux qui auront le visage noir, « Avez-vous rejeté la foi après avoir cru ? Goûtez donc le châtiment à cause de votre mécréance. »
Quant à ceux qui auront le visage blanc, ils seront dans la miséricorde d'Allah, et ils y demeureront éternellement. Voilà donc les signes d'Allah. Nous te le répétons, puisqu'il renferme la vérité. Et Allah ne souhaite aucun mal à ses créatures. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et c'est à Allah que tout retournera. Jazakumullah. Aujourd'hui, je choisis de vous parler des bénédictions du Jalsa Salana. Et pour commencer ce discours, je vais vous parler de la signification du mot Jalsa. Il me paraît donc normal de l'expliquer avant de commencer. Le mot Jalsa est tiré de la tribu Jalal, qui en arabe veut dire le glorieux, et donc qui signifie la grandeur d'Allah, qui loue la grandeur d'Allah. Donc la Jalsa, c'est une chose qui est glorieuse et où on doit glorifier la grandeur d'Allah. Cette grandeur d'Allah, on sait que les gens, donc, en une année, ont tendance à retourner dans le monde et ont tendance à s'endormir. Cette Jalsa, donc, sert à réactiver l'enthousiasme et à réactiver la grandeur d'Allah, à vous réactiver, vous, pour vous donner le meilleur de vous-même. Le but de cette Jalsa est avant tout d'empêcher les gens empêtrés dans la poursuite du monde de dormir, comme je l'ai dit. C'est donc un puissant générateur d'enthousiasme. En cette fin de siècle, dans le monde, s'effectue une course effrénée au progrès matériel, et cela dans le but de promouvoir le bien-être et le confort de l'homme, nous dit-on. Est-ce que c'est la société dans laquelle nous vivons qui répond vraiment à ce besoin? Est-ce que ce que l'on voit autour de nous répond vraiment à ce besoin qui est de promouvoir le bien-être de l'homme? Je ne pense pas. Mais est-ce que la société dans laquelle nous vivons a-t-elle véritablement posé les fondations sur le besoin réel de l'homme en prenant en considération la nature humaine et toutes ses composantes aussi bien spirituelles que matérielles? Le climat de désordre qui règne dans ce monde est amplement suffisant pour répondre à cette question. Partout, l'homme souffre de l'individualisme et se retrouve enchaîné par un système valorisant essentiellement l'égoïsme. Il n'encourage pas l'harmonie et décourageant de plus en plus les actions communautaires. Le Messie premier, alayhi salatu salam, a institué donc cette Jalsa il y a un peu plus d'un siècle. C'est un système répondant à ce problème et à beaucoup d'autres encore. Et ce système, c'est le Jalsa. À cette occasion, je vais vous détailler les buts du Jalsa selon le Messie premier, alayhi salatu salam, et ses bénédictions, et j'en tirerai les leçons nécessaires. Le Messie premier, alayhi salatu salam, a dit, en 1891, le principal objectif de ce rassemblement est que les membres sincères de la Jamaat Ahmadiyya devraient en tirer des bénéfices religieux avant tout, et en même temps acquérir de plus de connaissances et d'avancement dans leur réalisation de Dieu. Il est à noter là que le Messie premier, alayhi salatu salam, a commencé par la réalisation de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être conscients que le but avant tout de cette Jalsa et de tout rassemblement pieux est de réaliser qu'est Dieu, donc de connaître Dieu par notre attitude dans cette Jalsa. Un de ses avantages aussi, c'est l'élargissement du cercle de la fraternité grâce à la rencontre d'amis et le renforcement de leurs liens mutuels. C'est-à-dire que vous devez créer un climat d'harmonie et le faire dans un climat de patience et d'union fraternelle, comme si vous faisiez qu'un auprès de ce Dieu qui est un et qui représente l'unicité. On constate que le Messie premier, alayhi salatu salam, a mis l'accent sur la réalisation de Dieu. Et cela, comme vous venez de l'entendre, révèle le pourquoi de la Jalsa. Les membres de ma communauté, dit-il encore, sont frères. Et ce type de rassemblement aide à la connaissance de Dieu. Ainsi, le 30 décembre 1891, Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, alayhi salatu salam, Messie premier et Mahdi, parla de la première Jalsa en ces termes. Tous les amis devraient se retrouver ici en cette date chaque année. Pour Dieu, pour écouter ses paroles, pour participer aux prières, de telles vérités et paroles de sagesse sont essentielles pour l'élévation de la foi. Si vous n'allez pas avec cet esprit dans la Jalsa,
vous ne réaliserez jamais ce qu'est Dieu, et vous ne réaliserez jamais la puissance et l'élévation que Dieu peut faire dans vos cœurs. C'est donc la conviction qui est en jeu, et le savoir. De tels amis seront habilités à faire des prières spéciales, y porter une attention particulière. Un effort devra être fait en présence du plus miséricordieux des seigneurs, et vous devez lui demander de vous attirer à lui, de vous accepter, qu'il vous accepte et qu'il vous gratifie d'un changement en vous-même pour le meilleur. Un deuxième avantage qu'on pourrait citer dans ce type de rassemblement, chaque année, lorsqu'ils viendront à Kadian, c'est toujours le Messie premier, alayhi salat salam, qui parle, à des dates données, ils rencontreront les nouveaux venus de cette connaissance personnelle, et cette connaissance personnelle se développera continuellement en fraternité et en amour. À travers les prières, on devra s'efforcer à travers les prières de créer un lien d'union spirituelle entre tous. Et vous devez enlever toute barrière raciale entre vous. Même si la barrière des langues peut paraître un fossé, l'Ahmadiyya et ce type de rassemblement peut créer une union parfaite entre nous. Parce que dans les cœurs, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de langue. Dans ces cœurs, on peut parler à notre frère et on peut parler à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il vous demande de prier après les prières institutionnelles, de prier dans votre langue. Et c'est la même chose lorsque vous allez vers vos frères, lorsqu'ils ont une autre langue, et cela ne doit pas être un fardeau pour vous ou une barrière pour vous. Donc vous devez déjà réaliser ça. Et donc les objectifs de cette jalsa sont décrits comme suit. Ce que je veux qu'ils deviennent, c'est le Messie premier, alayhi salat salam, qui le dit, ce but pour lequel Dieu m'a envoyé, réfléchissez à ça, ce but pour lequel Dieu m'a envoyé, et quel est ce but, je vous le demande. Ce but, c'est d'apporter le message que Dieu est amour, et aux autres nations. Ce n'est uniquement que dans ce but-là que la jalsa, principalement, a été instituée par le Messie premier, alayhi salat salam. Donc, le Messie premier, alayhi salat salam, va plus loin et dit, il m'a appointé, et cela ne peut être accompli à moins que les gens viennent à la jalsa encore et encore. C'est-à-dire que non seulement vous devez venir chaque année, vous efforcer de venir chaque année au jalsa, mais en plus vous devez réaliser à chaque jalsa ce qu'est Dieu et ce qu'est la fraternité en Dieu, en l'unicité de Dieu. Ce n'est pas un rassemblement comme les autres. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, le Messie premier dit que ce n'est pas un rassemblement comme les autres. C'est que la jalsa peut donner un autre visage au monde face à tous ces malaises. C'est un exemple de fraternité et une paix créant un paradis. Et je vous dis en vérité que c'est le paradis qui a été donné au Hadhrat Adam, alayhi salat salam. C'est ce type de paradis que l'on doit promouvoir dans la jalsa. Donc vous devez suivre le modèle du paradis donné par Hadhrat Adam, alayhi salat salam. Si vous observez bien les jalsas à travers le monde, vous verrez qu'il y a un schéma qui se dessine. Ce n'est pas en vain. Les gens pensent qu'on fait une jalsa uniquement pour la piété, pour acquérir le sens de l'obéissance, le sens de la patience. Oui, tout ça, d'accord. Mais il y a un but beaucoup plus valorisant. Et ce but, il est comparable au but du Hajj. Même si le Hajj est une institution qui est obligatoire. Le jalsa, il répond en partie à cette question de rassembler les peuples du monde autour d'un Dieu unique. Ce Dieu unique, lorsque vous regardez toutes ces jalsas, on se rend compte qu'il y a un plan fait par Dieu et institué par le Messie premier, alayhi salat salam, et qui avait été commencé par le prophète, sallallahu alayhi salam. Et ce but, comme vous voyez dans le Hajj, des millions de personnes qui viennent et qui font le tawaf autour de la Mecque, à l'unisson, et qui répètent sans cesse « Labbaik Allah, thumma labbaik » « Oh Dieu, me voici, oh Dieu, me voici !» Dans la jalsa, on doit avoir le même esprit. Déjà qu'on... Comme je vous ai dit, on doit réaliser ce but parce que le Hajj, lorsque vous voyez les gens habillés en blanc, on ne va pas se formaliser quant à l'habit.
Mais déjà que la communauté Ahmadiyya est interdite de Hajj. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, un siècle avant ce qu'il a fait, il a comblé le décalage entre l'interdiction du Hajj, c'est en quelque sorte une belle prophétie, une prévoyance de Dieu, une miséricorde de Dieu. Pourquoi ? Pas seulement pour nous, mais on doit devenir un exemple pour l'humanité. Comme les gens qui vont au Hajj, on dit que le Hajj, la Mecque, c'est la maison d'Allah. Et la maison pour les hommes, et non pas pour les musulmans seulement. Et je vous le dis en vérité, si vous regardez et vous analysez les écrits du Messie premier, alayhi salatu salam, lorsqu'il nous dit « Dieu a fait de moi une source d'amour, et je veux que ma communauté devienne une source d'amour, et vous devez boire à ma source que Dieu a fait en moi et dans mon cœur. » Et ainsi, lorsque vous buvrez à cette source-là, Dieu fera en sorte que les autres nations boivent dans votre source. Et s'ils boivent à votre source, en quelque sorte là, vous avez la description d'une des actions faites dans cette belle phrase du Messie promis, la jalsa salana. Donc la jalsa, lorsque vous regardez le schéma dans le monde entier, ce que les califes, après le Messie promis, alayhi salatu salam, ont fait, avec les bénédictions du prophète, alayhi salam, nous voyons que différentes jalsas sont faites à travers le monde. Et ces différentes jalsas, elles ont pour but que vous vous réformiez pour que les gens, un jour ou l'autre, vont voir un lien dans toutes ces jalsas du monde et qu'ils voient qu'il y a ces gens-là, ces Ahmadis, ces musulmans Ahmadis, qui sont en train de créer un paradis et qui sont en train de fraterniser dans un jour et sont en train de prendre une ampleur internationale. C'est tellement beau qu'on va aller boire à cette source. On va aller boire à cette source et on va montrer un exemple de piété, comme a récité notre frère tout à l'heure dans le Coran, que Dieu, en fait, vous a fait une communauté qui incite au bien et qui réprouve le mal et qui rejette tout ce qui est mauvais et qui désapprouve, pardon, tout ce qui est mauvais. Cela veut dire que vous avez l'instrument aujourd'hui de la jalsa et de plein d'autres choses. Et vous avez des instruments aussi des écrits du Messie promis et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cet illustre personnage. Vous pouvez l'instaurer aujourd'hui dans cette jalsa en créant un climat de remémoration d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous allez aller dans ce sens-là, dans le sens de communier d'abord avec Allah avant d'aller communier avec les gens. Lorsque vous aurez réalisé ça en faisant le zikr et Darul Sharif, après avoir réalisé cette chose-là, vous allez vous rendre compte que petit à petit, année par année, comme le vice-premier alayhi salatu wasalam a dit, encore et encore, les gens, vos invités, parce que vous avez des invités qui vont venir, c'est eux qui vont avoir un jugement sur vous. Quelqu'un qui est à l'extérieur peut juger à même du bénéfice et de la miséricorde d'une action qui est menée. Lorsque vous voyez une personne qui vous dit « Masha'Allah, ces gens-là ont compris ce qu'était le véritable sens de l'islam, le véritable sens de l'amour, le véritable sens de l'unité en Dieu. » En vérité, pour les musulmans en particulier, ils vont vous dire « Certainement, ces gens-là ont compris même le sens du Hajj. » Ces gens-là ont compris le sens du Hajj. Parce que c'est le sens du Hajj. Et la jalsa salana, elle n'a que pour but de promouvoir la piété, de promouvoir l'entente cordiale, de raffermir vos liens en Dieu, en priant que Dieu vous accorde l'unité parfaite que vous souhaitiez pour autrui, ce que vous souhaitez pour vous-même, et que vous assuriez une harmonie pleine de paix, et que Dieu vous assure pleine de bénédictions. Et je prie que Dieu fasse que cette jalsa soit la plus belle jalsa, puisque c'est la première. Je souhaite que ça soit la plus belle, parce que comme on dit, le lever de rideau, il faut toujours qu'il se fasse de la même meilleure manière. Il ne dépend que de nous de le faire. Amir Sahib, mes chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est avec un grand plaisir, meublé de joie, que je remercie tous les frères et sœurs, tous les organisateurs qui ont pu, alhamdoulilah,
par la grâce d'Allah, organisé ce rassemblement international. Pour cela, je remercie tous les frères qui ont participé de près ou de loin à ce que cette jalsa, alhamdulillah, sera un triomphe, non pas rien que pour les gens qui demeurent ici en Allemagne, en France, mais pour tous les gens qui ont pu avoir la possibilité d'y participer. Jazakum Allah anna ahsan al-jaza. Et comme on dit aussi en ourdou, Jamaat Ahmadiyya de France, Sindabad, Inch'Allah, Langli. J'aimerais attirer votre attention sur deux points. J'ai été un peu fasciné par les discours qui ont été avancés par le frère Saïd, par le frère Omar et par le frère Majid et pas mal de frères. J'ai pu retenir, et c'est mon point de vue sur différents points que j'aimerais vous les citer maintenant. Amir Sahib, je me suis entretenu avec lui, ça fait quelques jours, et j'ai pu retenir aussi une leçon pour nous et pour aussi, c'est-à-dire la Jama'a de l'Allemagne. J'ai vu avec quelle force, c'est-à-dire il essaye de lutter à ce que cette Jama'a, Inch'Allah, triomphera. Et moi, j'ai maintenant la certitude que, Inch'Allah, vous allez bientôt avoir cette victoire. Mais ce qui est sûr de retenir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce système, qui est le système dicté par Allah à notre jama'a. Et cette jama'a, alhamdulillah, maintenant, elle est sur le globe terrestre. Et cette jama'a, alhamdulillah, elle a une instance, elle a une autorité. Alhamdulillah, maintenant, le calife, il a un émir qui est son représentant dans différents, par exemple, coins sur cette terre-là. Ce qui est à retenir une fois, comme il l'a été donné aussi par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans des hadiths, je vais citer ça en arabe, il dit « Man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. » Celui qui obéit à mon amir, il m'a obéi. Et celui qui désobéit à mon amir, il m'a désobéi. Et celui qui désobéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, il désobéit à Allah. Il dit aussi dans un autre hadith, عليكم بالسمع والطاعة فيما أحببتم وما أكرهتم. Il est de votre devoir de montrer ou d'être toujours obéissant pour les choses qui vous feront plaisir et pour les choses qui vous ne, c'est-à-dire qui ne vous font pas plaisir. Il est de notre devoir d'avoir ce caractère parce que c'est la seule chose qui nous diffère des autres jama'a. Parce que ce caractère-là n'existe pas. Et c'est pour cela qu'il est de votre devoir, maintenant, un frère vous donne ce conseil, organisez-vous, unissez-vous derrière votre émir, et essayez de prendre aussi ce flambeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulillah, et de continuer la marche. Alhamdulillah, vous êtes en bonne main. Ce qui est de vous, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est que maintenant, c'est-à-dire vous essayez de montrer, c'est-à-dire que vous êtes là pour un but. Parce qu'on vit dans cette planète-là, mais on n'est pas pour cette planète-là. On existe, on est là, on ne peut pas les nier, mais on est là pour un but. Ce but, il a été aussi déchiffré par le frère Omar, comme il a été déchiffré par le frère Saïd. On est là pour un but qui est un but où chacun de nous doit vivre sur ce patrimoine spirituel qui nous a été donné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le Messie. On est là, pourquoi? Pour atténuer ou bien pour mettre fin à ces insultes. Une de ces insultes est lorsque l'homme prétend que notre Seigneur a un fils. Ça a été la première mission du Messie promis. Il est venu ici, c'est-à-dire pour briser cette croix. Briser la croix c'est un symbole de toutes les fausses interprétations données à l'encontre d'Allah. Et notre devoir est de briser cette croix. Cela veut dire enlever l'idée. Cette mauvaise interprétation comme quoi Dieu a un fils. Et c'est pour cela, si on est là, il faut essayer que nos jours doivent être comptés aux cieux. Si on est là, on essaye d'œuvrer pour ce bien-être. Essayer de sauver cette humanité. Essayer d'avoir, premièrement, comme il a dit aussi l'émir dans sa khutbah, essayer de corriger, de nous corriger même. Essayer de savoir. Si on est vraiment dans ce train-là qui a démarré en 1889 de Qadian, ou on n'est pas là, ça c'est la question primordiale, où chaque Ahmadi doit la mettre dans sa tête. Deuxième point,
Si on assure cette richesse spirituelle qu'on a pu avoir avec la bénédiction d'Allah, du Messie promis, on doit essayer aussi de la comprendre. On ne peut pas avoir des différents livres gardés dans des bibliothèques ou bien dans des coffres où on n'a aucune idée de ce spirituel qui a été donné. Si on le garde, à quoi sert? Et si cette bénédiction, elle a été donnée, elle n'est pas saturée. Cette bénédiction, elle est pour tout le monde. Comme elle a été donnée à plusieurs fois par notre Khalif Ayyad Allah ibn Nasir al-Aziz, ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour un peuple distingué. Il est venu pour toute l'humanité. Et le Messie promis, c'est sa mission. Alors, essayez au moins de comprendre ce sujet-là. Et vous pouvez le comprendre si vous êtes là, derrière votre émir. Si vous essayez, comme il a dit le frère aujourd'hui aussi Omar, lorsque le premier khalif, Hadrat Moulbi Nourdin Hakim, radiyallahu anhu, où il a dit, donc, mais j'ai retenu aussi un point sur ce sujet-là, où une fois aussi le Messie promis l'a appelé, et il est venu au courant. Et le Messie promis se rencontre, comme quoi le Hadrat Khalifat al-Masih al-Awwal était sans soulier. Et il lui a dit, mais je vois que tu es sans soulier. Et il lui a dit, j'ai entendu que tu me demandes, je n'ai pas le temps de prendre mon soulier. Et c'est une bonne chose à retenir. Et ça, c'est aussi pour notre émir, pour notre sadre, pour notre qaïd. C'est le même système. Et c'est pour cela que je demande à tous les frères où on sait, alhamdulillah, avec, je sais pertinemment, et c'est aussi avec haqqul yaqin que vous allez, inshallah, c'est-à-dire arriver à votre but. Mais essayez d'être pareil à une chaîne. Il faut, c'est-à-dire, vous cramponner. Cramponner aussi, c'est avoir, c'est-à-dire, la main dans la main de Hadrat Khalifat al-Masih. Essayez de le comprendre lorsqu'il parle. Essayez de le comprendre parce que, une chose qui est sûre, elle m'a aidé moi-même, si un de nous aura cette possibilité de vivre 100 ans sur cette terre-là, et une fois, un nous questionne combien, ou bien qu'est-ce que vous avez fait durant tes 100 ans sur cette terre-là. Si on décrive, ou bien si on lui cite notre vie de 100 ans, on va la mettre dans 4 heures. Et 4 heures, cela veut dire que, pareil à un qui cherche à récolter du vent avec un filet, vous comprenez. C'est pour cela que nos jours, c'est-à-dire, doivent avoir un but. Notre but, comme il a dit aussi hier, Huzur Ayyad Allah Masih al-Aziz, dans Khutbat al-Jumu'ah, où vous avez une grande possibilité parce que vous avez ici 50 nations qui sont implantées ici en France. Et croyez-moi, ce n'est ni de notre intelligence, ni de notre savoir, ni de notre capacité. Tout ce que vous voyez ici, c'est un cadeau d'Allah. C'est un cadeau d'Allah, mais essayez, c'est-à-dire, d'être, comme on dit par exemple, active dans votre prière. Essayez, c'est-à-dire, d'essayer de communiquer toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, de frapper toujours avec Allah. Cherchez l'aide d'Allah toujours. Essayez de pleurer, c'est-à-dire, vos problèmes à Allah, non à l'humanité. Essayez de lui faire savoir, alors que lui-même sait ce qui se passe, mais essayez de frapper à la vraie porte la première fois. Et essayez de sortir. Parce qu'on ne peut pas rester avec ce patrimoine gardé dans des maisons, dans des bibliothèques ou bien dans nos mosquées. Les gens ont besoin de nous. Comme il a dit le frère Omar sur le cas du troisième calife avec Hadratullah Hifsh, c'est une vérité où on ne peut pas l'ignorer. Et ce monsieur-là, il est devenu un des grands écrivains de cette jama'a. Il est devenu un fond ibadullah salihin, un awliyaullah salihin. Et cette maison, ou bien cette maison du Messie promis et du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour ce but-là. Parce que le Coran dit, si on essaye d'obéir à Allah, c'est-à-dire d'accepter ce Murabbi qui est le Saint Coran, et d'accepter, c'est-à-dire le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa parole et ses pratiques, on peut arriver du premier stade au deuxième stade, du troisième stade au quatrième stade, qui font as-salihin jusqu'au nabiyin, salihin, shuhadat, saddiqin et nabiyin. C'est permis dans cette maison-là. C'est permis dans cette communauté-là. On peut débuter de zéro et on peut arriver à cette nafs al-mutma'inna. C'est possible, sauf qu'on doit, c'est-à-dire, montrer une garantie. Parce que chaque chose demande une garantie.
On doit montrer cette garantie. Et cette garantie, elle est là si vous essayez d'être à côté de votre émir, si vous essayez aussi de le comprendre, si vous essayez aussi de l'aider dans cette mission-là. Ça, c'est ses forces à lui, comme ce sera aussi sa force, ce sera aussi vos forces, et c'est comme ça que Allah bénit une jama'a, et c'est comme ça que Allah descend sa miséricordieux et sa grâce sur vous. Mais il faut comprendre que bientôt, on va rentrer dans l'an 2000. Et l'an 2000, ça va être aussi un temps. Ça va être un temps où, c'est-à-dire chaque minute sera, par exemple, comme on dit, pénalisée. Où on doit, c'est-à-dire, faire attention à chaque seconde. Parce que maintenant, c'est-à-dire, le temps ne laisse pas le choix. Ou bien, comme il dit aussi dans un... Je ne sais pas, c'est-à-dire, mais j'ai retenu ça, comme on dit, le temps, il est pareil à un sabre, soit qu'on l'utilise, soit qu'il nous tue. C'est pour cela qu'il est temps maintenant de comprendre pourquoi on est Ahmadi, pourquoi on est là. Allah a fait révéler au Messie promis. Alhamdulillah, c'est une vérité parce que vous savez maintenant qu'on est dans 153 pays. On est presque dans toute la terre. Mais il est de notre devoir de savoir ce compliment circonstanciel de lieu. Pourquoi on est là? Quel est notre devoir envers cette jama'a? Et je sais, Inch'Allah, parce que, alhamdulillah, j'étais aussi, fasciné, parce que j'ai remarqué aussi ici, alhamdulillah, dans cette jama'a, où plusieurs frères ils m'ont avancé ça, que lorsqu'on a marché ici, par exemple, on a écouté toujours les gens, c'est-à-dire parler en langue française, où on n'a pas vu, comme chez nous parfois, des fois, en allemand, qui halatika, bilkultika, c'est-à-dire en ourdou, mais on a vu, par exemple, les choses, les gens communiquer en langue française, c'est un bon signe, vous comprenez. Parce que là où on est, on doit être utile. Si on garde uniquement, c'est-à-dire notre langue, et on communique par exemple en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Angleterre, uniquement avec le ourdou, ou bien avec le Punjabi, on ne sera pas utile. Et c'est pour cela qu'il faut communiquer maintenant avec les gens. Et il faut sortir. Les gens ont besoin de nous, croyez-moi. Et vous pouvez trouver, non pas 1000 ou bien 2000, vous pouvez trouver des milliards de Hadatullah Hibs qui nous attendent. L'essentiel, c'est qu'on doit sortir. Et qu'on doit, c'est-à-dire, essayer de comprendre maintenant comme quoi demain, il faut comprendre bien ce point-là, demain, devant Allah, nulle personne ne peut trouver un alibi contre Allah. Mais ils peuvent trouver des alibis contre nous, nos voisins, les gens où on vit, les gens qui sont à côté de nous, dont ils ignorent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on prêche. Ces gens-là, ils vont être demain contre nous. C'est pour cela qu'il est de votre devoir maintenant d'informer les gens, d'essayer de les faire, de leur dire comme quoi tous ces problèmes-là que vous voyez, tous ces maux, toute cette mélancolie, toutes ces ténèbres, il y a une solution pour ces problèmes-là si vous essayez de nous comprendre, de nous donner du temps afin qu'on puisse, c'est-à-dire, essayer de vous administrer ce médicament ou bien cette ordonnance. Et en dernier lieu, j'aimerais aussi, Inch'Allah, avec la bénédiction d'Allah, citer beaucoup de points, Inch'Allah, lorsqu'on sera aussi en Allemagne, sur beaucoup de leçons qu'on a pu retenir ici, Alhamdulillah, dans cette Jessalana de France. Je prie, Inch'Allah, Allah, prie aussi pour nous, parce que notre but, comme maintenant on voit que l'Europe, elle est sans frontières, on aimerait bien que cette jama'a aussi sera sans frontières, Inch'Allah. On sera, Inch'Allah, c'est-à-dire là, c'est-à-dire où on est, c'est-à-dire on a une maison et on a une mosquée. Et ça, Inch'Allah, ça va être bientôt, mais essayez maintenant de comprendre que le temps ne nous laisse pas, c'est-à-dire beaucoup de comment on dit, ne le laisse pas, c'est-à-dire, parce que mon français, des fois, ça, elle est bloquée par l'allemand, hein, il faut m'excuser, oui. Nous ne laisse pas beaucoup de chance. C'est pour cela qu'il faut essayer maintenant d'épuiser votre énergie et d'épuiser aussi vos capacités pour que vous puissiez demain être non pas 250 comme il a été dit à Amir Sahib dans le Jumu'ah, mais pour que vous soyez 250 000 et pourquoi pas des millions. Et ça, croyez-moi, c'est proche. On veut à ce que chacun de vous participe parce que c'est un héritage. Et cet héritage, soit que on n'est pas, par exemple, d'accord avec nos familles pour, c'est-à-dire, le partage, mais on doit toujours être là, c'est-à-dire, pour lutter pour cet héritage. Et cet héritage,
Elle, il est aussi pour vous parce que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nous partient à nous tous. Et c'est pour cela qu'il est de votre devoir, c'est-à-dire d'essayer de préserver cette chance-là et essayer de lutter pour que cette chance-là et cette existence aura un but. Jazakum Allahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zindabad. 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 Zindabad.